Allô? Allô? Oui, Steph, c'est comment? Non, non, moi ça va, j'ai très bien dormi et toi? Pardon, je viens de me réveiller là. Hein. Je vois comment les gars sont en train de s'agiter là dans le groupe. Il y a quoi? Moi, je suis prête jusqu'à demain. Tout à l'heure, il va à Fabulous City pour me rendre belle. Ça ne blague pas. Non, 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 moi, je suis prête, hein. Je suis prête. J'espère que toi aussi. Pardon, moi, d'abord, j'aime être slay. C'est mon domaine de définition. J'aime être belle, slay. C'est mon domaine, gars. Tu sais ça. Ok. Oui, ça marche. À 14h, il n'y a pas de problème. Oui, à 14h, si tu veux, on se retrouve. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok. J'espère que tu as repassé ton habit, hein, parce que je te connais. Les détails comptent. Oui, on doit être à la hauteur. 100% de réussite. Vous blaguez mal. Hein. Ok. Alors, faut les laisser trembler. Moi, je suis là bien, gars. Je suis bien. Ok, tout à l'heure alors. Ok, on dit quoi? Tu prends soin de toi alors. Ok, bisous, bisous. On a un direct là sur TikTok à 16h. Il faut que je me rende belle. Tu n'ignores rien de ta fille. Ta sœur Deborah est quittée ici. Aller chez son oncle à Bonapuzo. À cause de ces histoires de TikTok là. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis rien ici. Vous ne demandez même pas mon avis. Mais quand tu peux pas te faire belle à Fabulous City pour aller faire le TikTok. Le TikTok là te rapporte quoi? L'argent et les abonnés, non, maman. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu l'argent. Maman, parce que je n'ai pas encore atteint le quota. Viens, t'explique. Regarde. Tu vois TikTok, sinon. Regarde. Tu vois TikTok, non. Quand quelqu'un fait TikTok, il faut atteindre 1000 personnes. Ça me donne 5 dollars. Imagine, j'ai besoin de 1 million d'abonnés. Comme ça, je peux t'acheter. Bon. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu 1 dollar. La fille, ce n'est pas la cause. On va doucement, doucement. Ça arrive. Même Jésus était parti depuis. S'il venait, il marchait même comme l'escargot. C'est qu'il arrivait depuis. Ça arrive. Vas-y. Ne rentre pas seulement demander à manger ici. Que tes abonnés là te donnent à manger. Vas-y. Tout à l'heure, maman. Hey. Hey. Yagabakafa. Yagabaka. Gilbert, tu étais parti me laisser avec ses enfants, c'est qu'ils ne comprennent pas. Tout ce que je parle là, ils ne comprennent pas. Ta soeur est là-bas en train de se balader avec la banane pour payer sa scolarité. TikTok. Ma fille, je suis en train de réfléchir comment je dois faire pour finir avec votre pension.
Tu veux prendre l'argent où? Dis-moi un peu, maman. Depuis que tu réfléchis là, tu as trouvé une solution déjà, si ce n'est le mot de tête. Maman, pourquoi tu aimes te torturer comme ça? Maman, je t'ai toujours demandé d'arrêter de te torturer. Arrête de te casser la tête, maman. Je te veux en vie. À ce rythme, tu vas mourir, maman. C'est quoi? Voilà ta soeur Sylvia qui est quittée ici disant qu'elle n'est pas bonne à prison. Fait le make-up pour sa Fabulous City. Pour un direct. Je demande que le direct te donne. Le direct là, c'est quoi? Elle dit que c'est TikTok. Elle aura les abonnés. Les abonnés te donnent quoi? Elle me dit, ça va lui donner ou c'est 500$ ou c'est 5000$. Depuis que nous sommes ici à la maison, tu as déjà vu 1$. Hein? C'est pour ça que tu veux mourir. Maman, ma soeur, c'est un enfant. Une vieille fille comme ça. Mais si c'est ce qu'elle a décidé, si c'est la voie qu'elle a choisie, maman, laisse-la tranquille. Chacun est maître de son destin. Pardon, maman. Reste. Tu as pu vendre aujourd'hui, ma fille. Dieu merci, maman. Tu vois, j'ai vidé tout le plateau. Eh, alléluia. Au moins, toi, tu connais la valeur de ta mère. Maman, je t'ai toujours dit que la souffrance, si, est temporaire. Laisse le temps de Dieu est le meilleur. Laissons le temps. Tu as quoi le coup, non, maman? Ah, ouf. Maman, je suis même en retard. Laisse-moi m'apprêter rapidement. Ah, je m'apprête plus tard. Pardon, mon Dieu. Aide-moi. La souffrance, c'est que je suis dedans. S'il n'y a que toi, je n'ai personne. Donne-moi la santé, mon Dieu. Donne-moi la force de pouvoir finir avec la pensée de mes enfants. Hé, gangoumala, lambo. Gangoumala. Qu'est-ce que vous amène ici comme ça? Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter te saluer. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite directement. We'll be right back.
ça va. Qu'est-ce que vous amène ici comme ça? Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter te saluer. Merci. Oh. Sinon, c'est comment? Ça va, ma baisse. On ne te sent même pas depuis là. Même au téléphone, rien. Même appeler ma baisse. Dès qu'on est rentré de l'enterrement de votre frère, ça n'a pas fait 2 semaines. Le téléphone s'est gâté. Je suis là comme ça. Regarde comment je suis en train de manger. Même pour finir la pension des enfants, ça me dépasse. C'est ça que tu dis, petit comme ça. Deborah est rentrée. Deborah a un bon appel chez son oncle. Ce n'était sa soeur, son. Sa soeur, là, le corps. Si tu es sorti tout à l'heure disant que ça m'a fait. Ou ça le dirait de TikTok. Ça va lui donner les abonnés, elle aura les dollars. Depuis que je suis ici, elle ne m'a jamais vu un dollar. Maman Choco, la manière que tu manges les arachides et le bâton, c'est comme si tu n'as rien préparé. Donc, j'ai préparé avant que je sois en train de manger les arachides avec le bâton. Demande seulement. Si tu veux manger, tu manges. Maman m'a rien préparé, maman. C'est trop fort. Même la jeune a pensé aux enfants, je ne sais pas. Allez, va-t'en. Tu ne manges pas? Non, ça va, merci. Michel, tu ne manges pas? Je mange avec ma bouche. Allez, va-t'en de manioc. Tu es sûr que tu ne veux pas manger? Akamba, tu as un problème avec moi. Je me soucie seulement de toi. Et tout à l'heure, tu criais comme si tu étais un enfant. Coupe le bâton là, tu me donnes, je mange dedans. Elle dit qu'elle n'a pas faim, tu ne comprends pas quoi. Ah, je m'en dis quoi. Tu es trop sentimental. Michel, tu crames chez les gens. Ok. Tu peux dire des choses comme ça. Regarde, une femme qui reste à la maison, ses enfants ne sont pas là, elle ne se gêne pas. Elle mange les arachides. Si les enfants là sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que la femme là a laissé. Elle a trop laissé aller. Quand mon frère était là, je pense que ses enfants là pouvaient être comme ça. Jusqu'à dire qu'elle ne peut pas payer l'école des enfants. C'est quoi comme ça? Ouais, Akamba, tu penses que c'est facile d'éduquer les enfants quand le père n'est plus là? Ok, ok. C'est plus facile. Si tu es en train de supporter, non? Oh. Pourquoi nous refuser la nourriture? Hé, hey, Akamba, nous sommes arrivés, elle mangeait le bâton avec les arachides, elle nous a proposé. Hé, hey, Michel. Michel. Oh. Si je te dis que la femme là a préparé le congrès avec le porc aujourd'hui, le congrès et le porc, l'odeur là, non? Ça, donc, je sais pas, c'est comme si j'habitais là-bas. Akamba, tu es sûr que nous vivons dans le même monde? Quel même monde? Ou bien que Dieu nous a créés de la même façon? Si tu n'as pas humé l'odeur, c'est que tu as un problème. Même l'odeur de l'huile, c'est-à-dire l'huile simple, si là, je n'ai pas humé. Et toi, tu dis que toi, tu as humé le congrès qui est épicé, que quand on prépare ça ici, là, ça parfume tout le quartier. Toi, tu dis que toi, tu as humé ça. Je te dis encore, elle a préparé ça aujourd'hui, c'est pas un truc qui a dormi. En tout cas, tous les jours, tu es en train de supporter, tu supportes. Il n'y a pas de problème. Non, tu exagères. Mais moi, mieux la femme la mourait. Mon frère restait en vie. Akamba, tu es une femme. Hein. N'oublie pas que tu es une femme. Donc, demain, même toi, ça peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Du vin de mon frère, moi, je ne pouvais pas manger les arachides. Jamais de la vie.
madame. Bonjour. Je vous écoute. Oui, madame. Mon nom, c'est Maman Choco. C'est comme ça qu'on m'appelle partout. Hein. D'accord. Je suis venue ici pour demander si je peux travailler ici. Ah, vous venez postuler pour le travail? Oui, madame. Ok. En qualité de? Restauratrice. Ah, vous avez un papier qui atteste cela? Non, madame. Vous avez déposé une demande ici déjà? Non, madame. Mais ici, c'est un restaurant chic. C'est le I3W. C'est un restaurant très chic. Et nous ne recrutons ici que des personnes qualifiées. Mais ici, ce n'est pas vos choses du quartier, là. C'est un restaurant chic et de nom. Le I3W. Madame, je connais bien préparer. Je prépare pour mes enfants à la maison. Je prépare pour mon mari qui était mort. Quand il y a même funérailles dans les villages, comme ça, on m'appelle, c'est moi qui prépare. Je prépare beaucoup de choses. Le coquille, le coq, le héros, le ngessan époux aussi même. Ah. Ok. Voilà ce que vous allez faire. Hmm? Vous allez m'apporter votre CV. Hein? CV, c'est quoi, madame? Une demande écrite. Vous vous adressez à la directrice que je suis. Hmm? Ok. Comme ça, on va vous appeler plus tard. Madame, hey, je connais bien préparer. Même l'autre jour, il y avait l'anniversaire de au quartier. On m'a appelé de venir préparer. J'ai préparé. Vous préparez même le héros ici, non? J'ai préparé le héros, le coquille, le coq, le ngessan époux. J'ai préparé beaucoup d'accord, de choses. D'accord. Je connais beaucoup préparer, madame. Bien. Ok, madame. À la prochaine. Ok, bonne journée. Au revoir, madame. Quelqu'un qui veut travailler mais qui n'a aucun papier. Une fois, une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari.
puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Les menaces par-ci par-là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite directement. Je peux vous aider? D'accord, merci. Merci beaucoup. Je suis chargé là. Ouais. Vous n'habitez pas loin, je pense. Oui, je suis juste à côté là. Ah, d'accord, ok. Vous savez, j'ai pour habitude de me comporter en gentleman, hein? Ah bon? C'est pas la première fois. Je suis pas d'ici, je viens d'arriver. Ah non? Oui. Je sors de Paris, plus précisément à Bobigny. Bobigny? Bobigny, oui, en France. En France? Oui. Bobigny. C'est une banlieue parisienne. Je connais seulement la France. C'est pas très connu, mais c'est pour des jeunes chercheurs qui vivent en France. Ouais. Ah bon, hein? Ouais. Et la ville m'a pas tellement souri là-bas. J'ai décidé de rentrer au pays. Et désormais, maintenant, ce que je vois, je fais. Ah bon, que vous voyez, vous faites. Je vous bats comme je peux. C'est madame? Madame Maman Choco. C'est comme ça qu'on m'appelle. Moi, c'est Chocho. Chocho. Chocho, ouais. Chocho. La similitude, là, déjà. Oui, Choco. Sacré. Choco. C'est sacré, bien. Sacré, petite harmonie, petite ambiance. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça va? Non, ça va très, très bien. Qu'est-ce que vous faites avec autant d'œufs et tout? J'ai besoin de faire dans le cafétéria. Cafétéria. Ouais. Ouais, ouais, à manger. Tu sais, je suis une veuve. Mon mari m'a laissé sa femme aujourd'hui, 6 ans. Wow. Je suis avec les enfants, je les envoie à l'école. On peut manger si Dieu le veut. Ouais. Ouais, donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. On dirait que le destin nous réunit. Ah parce bon? Que moi-même, je suis un homme libre. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je suis à la recherche d'une conquête. D'une... Mais je suis déjà vieille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, en France, c'est le cœur avec le cœur. C'est pas l'âge, non, ça compte pas. Oh. Ça compte pas. D'accord, je comprends. De toutes les façons, on aura le temps merci de s'accorder. Beaucoup. Je merci. Vous accompagne. Merci. Très belle femme, vous êtes. Merci, c'est comme ça que mon mari disait que je suis trop belle. Thank you.
Papa, tu as vu le match de Juventus l'autre jour. Ah, bon là, c'est... C'est-à-dire que le... Cristiano, c'est la mort du joueur. Bon là, en vrai, non. Cristiano, c'est la patte. C'était la magie. Cristiano, non. Wonderful. La magie du joueur. Pied gauche dedans. Oui, chérie. Je sens venir parler cela du match. Oh, bébé, calme-toi. J'ai dit, maman Choco. Oui. La fête d'allumettes là, tu fabriques seulement ça ou quoi? Ouais, patientez, pardon. Ma fille allait acheter les allumettes. Mais papa, elle a pris l'avion. C'est quelle histoire d'allumettes depuis une heure des temps que nous sommes ici? Calme-toi. Dédicat, les gars, c'est le seul restaurant dans ce secteur. Comme c'est qu'un. Vous ne comprenez pas, ça c'est le vrai marquis du quartier. Ici, là, la matesse, c'est la seule. Quand tu tombes. Voilà, dis-le, non, mon frère. Chérie, quand tu tombes ici, non. Ça patte directement dans le tibia. Parce que c'est dans le tibia que nous devons faire une heure de temps ici. Oh, bébé. Madame, à cause des allumettes de 25 francs, on va faire une heure de temps ici là. Levez-moi, je pars. Madame, depuis que nous avons fait une heure de temps ici là, à cause des allumettes de 25 francs, la fessière même c'est un peu. Depuis une heure de temps. Ha! Bébé, moi je pars. Mais bébé, tu pars comment? Hey, papa. Yes. Down. Tu lances? Là, il lance. Quoi? Hey, on va patienter. Non, on attend. Moi j'ai fait mon bouton. Reste patienter. Reste là, tu attends. La matinée, c'est là, vraiment. L'histoire des allumettes, c'est là, maman. Ouais, maman. Vraiment, c'est chaud, hein. Faut que je suive seulement, mais oui. Je n'ai pas le choix. Ma belle. Bien comme tout ça, maman. On était une veille là hier, maman. Et on est rentré comme ils sont partis. Alors fais-moi seulement rapidement quelque chose là. Ne me dis pas. Même pas le petit café comme ça pour nous donner. Aïe. Là où je suis là, non. J'ai faim jusqu'à pardon. Fais seulement rapidement quelque chose. Pour moi. Saute-moi. Tu as quoi les pattes, non? Il saute ça rapidement, s'il te plaît, ferme là jusqu'à. Le problème maintenant, c'est les allumettes. Depuis que Déborah est partie chercher les allumettes, jusqu'à présent, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas comment les enfants là sont. Je ne sais pas. J'ai déjà perdu au moins 13 clients ici là. Maman, laisse seulement les enfants de maintenant, non. C'est comme ça partout. Ah, les enfants de quoi? Les enfants de quoi? Je veux mettre quoi sur l'enfant? Hein? Quand j'ai toujours dit dans la famille que la femme, si elle est bête, vous allez tout supporter. Hey! Voilà, Akamba. Je ne suis pas ton égal, de un. J'ai les enfants qui te dépassent. Je suis arrivée dans votre famille, tu étais encore comme ça. Aujourd'hui, tu me parles fort. Je ne peux pas m'expliquer. Mais tu vas comme ça là. Vous portez tout ça là. La boîte d'allumettes, c'est quoi par rapport à la bouteille de gaz? Hein? Il t'est jamais arrivé d'oublier quelque chose dans ta vie. Ici, c'est mon bureau. Tu as compris? Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je les avoue à l'école. C'est grâce à ça que je les nourris. Tu as compris? Pardon. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Tout ça, c'est mon frère. Je dois jouir de ça, madame. Je te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, tu n'allais pas avoir tout ça. Pardon? Tu te tapes les nerfs. J'étais dans la misère. Akamba, ne me manque pas de respect comme ça. Vite, hein? Non, tu as là maintenant, tu es déjà en train d'escamper. Je ne suis pas d'accord avec toi, Akamba. Michel, tu es
Je dis, respecte la limite là, je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui ici. Je suis venu pour quoi? Je suis à mission. Ah, toi! Il fallait me dire que tu venais à mission. Il fallait me dire. Donc, je ne veux pas marcher avec toi. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans, c'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté un cahier à un enfant. Tu as compris le rôle? Je vais te rappeler que du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas le problème de nourriture. Donc là où je suis là, quoi, c'est que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas! Il était une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite directement. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans. C'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté un cahier à un enfant. Tu as compris le rôle? Je vais te rappeler que du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas le problème de nourriture. Donc là où je suis là, quoi, c'est que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Tu arrêtes, je ne te permets pas. Ne me fais pas. Hé, hey, tout ça c'est Déborah. Si Déborah m'avait donné les aliments depuis le matin, c'est que je ne suis pas dans cette situation. J'ai perdu au moins 13 clients, au moins. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Un jour, je ne vais pas réussir dans ma vie. Maman,
tu ne connais même pas. Tu t'auras lancé une nouvelle compétition. Il t'a fait de tout le monde. Ferme ta bouche. TikTok. Maman chérie. Yeah, ma mère. En plus, tu es allé chercher ce qui ne donne pas. Voilà, mais tu peux le faire. Mais c'est quoi avec moi? Marche vite comme la poule qui a mal aux yeux. Bonjour mes copines. C'est comment installez-vous? Bonjour maman, je m'en ai très faim. Ah bon? Non, je vais vous servir, vite fait, vite fait. Ok maman, demi-plat, un pain avec deux tasses. Deux tasses. Okay. Ok, attendez, je vais chercher les allumettes. Hein. Ok maman. Bien mangé. Bité, pourquoi tu portes encore tout? Tu avales comme tu viens de faire là. Tu veux bité. Ok, Sonny. J'ai mangé, non? Tu veux bité. C'est quoi donc le plat là, tu manges? C'est quoi donc le problème? J'ai arrêté tellement pour que je mange pas. Tu sais pas que je mange doucement. Et mon problème là, c'est quoi? Ton problème déjà, c'est quoi? J'avais bien faim. Maintenant, je sais pas que j'avais faim. En venant ici, on avait un plan. Tu avais 200, j'avais 400 et on était censé manger ensemble. Je n'ai pas refusé, voici mes 200, donne-moi tes 400, on paye. Je ne donne pas, quand tu mangeais, tu as mangé avec moi. Donne ton argent simplement. Je n'ai pas l'argent, je ne paye pas. Quand tu mangeais, tu n'as pas pensé que tu pouvais manger avec moi. Tu ne payes pas en vertu de quoi? Donne tes 400, j'ai dit que je ne paye pas, je n'ai pas l'argent. De quoi discutez-vous, mes filles? Moi, c'est elle, non, Sonny. Elle ne veut pas de son argent pour qu'on paye ou pas. Voici mes 200. Donne tes 400, Sonny. Donc, c'est le problème d'argent que vous discutez. Moi, c'est elle qui va donner son argent, elle va donner son argent. Continuez à discuter. Maman, le téléphone que tu as pris, il coûte 500 000. Va payer ton plat là-bas, me donne mon téléphone. Donne ton argent, on paye, on passe, comment? Maman, Choco, voici 400. Je veux 600 francs ici. Mettez. 200 ici. Donne-moi ça. Les jeunes filles, pour un plat de 600, elles sont incapables de payer. Hey! 600 francs, 400 francs. Hey! Parce que la vie est facile. Je n'avais jamais rencontré une femme aussi belle comme toi. Là, c'est le propre des hommes. Toujours en train de dire des choses qu'ils ne pensent pas eux-mêmes. Juste pour faire plaisir à la femme. Écoute. Je pourrais le dire sur tous les toits si tu le veux. En tout cas,
Naïf est la femme qui ne sait pas que vous le dites à toutes celles que vous rencontrez. Et que le vrai sens de ce mot, c'est... Je veux juste découvrir ce qui se cache entre tes cuisses. Le pire, c'est que vous ne vous fatiguez jamais de parcourir les cuisses des femmes. Tu penses que si on rencontrait une femme et on lui disait directement « Je vais découvrir ta paume de Vénus », elle nous suivrait? Moi, oui. Parce qu'il est direct. Et par curiosité, j'aurais envie de savoir s'il fait ce qu'il dit. De toutes les façons, l'expérience a démontré que les femmes n'aiment pas la vérité. Elles se plaisent dans le mensonge. Désormais, l'huile Mado. Ah, Mado? Oui, toutes les fritures, la cuisson, la mayonnaise Mado, vinaigre Mado, du lait. Je vais emporter ça Mado. Dans mon cafétéria. Ah oui. Ah. Et là, tu as les spaghettis de haute qualité. Hey, c'est déjà écrit Mado. 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 Merde, mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Merde! Merci beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui fait dans ces produits. Il m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité goût numéro 1, qualité prix incomparable. Oh! J'ai dit, ça, c'est pour maman Choco. Merci beaucoup. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite directement. Désormais, l'huile
Mado. Ah, Mado. Oui, tout est friture, la cuisson, la mayonnaise, Mado. Qui est? Vinaigre, Mado. Je vais amener. Du lait. Je vais emporter ça Mado. Dans mon cafétéria. Ah oui. Ça. Et là, tu as des spaghettis de haute qualité. Hey, c'est déjà écrit Mado. 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 Merde, mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Merde. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui fait dans ses produits. Uh-huh. Il m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité goût. Uh-huh. Numéro 1. Qualité prix incomparable. Oh! J'ai dit, ça, c'est pour maman Choco. Merci beaucoup, mon chéri. Ah, de rien, bébé, de rien. Tu sais, je t'aime tellement. Tu mérites tout ce qu'il y a de bien. Ah, vraiment. Ah, oui. Je t'aime tellement. C'est comme ça qu'un homme doit faire. Hein? Maman Choco. Oui, chérie. Je vais te donner. Ce soir. T'inquiète. Je dépose un peu ça à la cuisine, j'arrive. D'accord, d'accord. Vas-y, vite. Je t'attends. Ah, maman Choco. Mon Dieu. Tu sais, j'ai pensé à toi toute cette nuit, hein. Ah bon? Oui. J'ai regardé la télé hier. J'ai vu dans un magasin où on vendait une culotte haut de gamme. Ah bon? Une culotte pas comme les autres. Quand j'ai regardé cette culotte, j'ai dit... Il faudrait que je sois le premier à l'acheter pour te l'offrir. Merci. Parce que quand tu regardes cette culotte, tout de suite, c'est ton visage qui vient là-dedans. C'était un peu dans ta tête comme un film. Oui, 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 c'était un peu comme un film. J'ai dit non, il faudrait que je sois chez toi aujourd'hui. Dès demain matin, on va au marché central. Parce que le nom de cette boutique, j'ai attendu, c'était Mère, un truc comme ça. Maison non? Mère. Maison Mère. J'ai retenu, c'est ça, Maison Mère. Oui. Ah oui. Mais on parle trop de la Maison Mère là. Je ne vais pas te mentir, ce que mes yeux ont vu hier, cette boutique, ça vend du bon. Je vais porter ça. Non, t'inquiète. La fois passée, la culotte que j'ai d'abord portée là, oui. Je me ressentais dedans comme si j'avais 20 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Laisse tomber. Cette culotte est loin derrière l'autre là. Hein? Considère cette culotte comme un bas de gamme. Ah! Ça, c'est la culotte haut de gamme. Merci. Oui, ça c'est un bling bling, un bijou. Non, tu veux dire que tu devais m'amener à Kribi. Mais effectivement. J'ai pas oublié. T'inquiète, pour aller à Kribi, il faut des ingrédients. Et je considère que cette culotte, c'est déjà un ingrédient favorable à notre voyage. On ira à Kribi. Merci beaucoup. T'inquiète. Tu sais, la dernière culotte que je t'avais achetée. Oui, oui, j'avais porté ça, mais je me ressentais dedans comme si j'avais 18-19 ans. Considère hein? Que ça, c'est l'ancien stock et voilà l'authentique. Hey! Ah oui. On va aller au marché quand je viens. On marche là quand? Demain matin. Demain? On va marcher. Parce que si on laisse le temps passer avec cette vidéo, beaucoup ça, de gens viendront là-dessus et tout. Il faut bon. Que je sois vraiment la première. Ouais. Alors, ma chérie, j'ai fait un petit repas. Oui. Bref, le riz avec le pépé sauce. Ah, ne me dis rien. Tout ce qui vient de toi, je mange. Idiote. On va te rappeler tous les jours de laver les assiettes. On ne te rappelle pas de prendre le téléphone, pourquoi? Oh. Bonjour, ma belle Choco, c'est comment? Hey, je viens de loin, j'entends seulement les cris, c'est quoi? Oui, c'est ta nièce. Hey. Je sors du marché acheter les œufs, elle est sur son téléphone, les assiettes sont sales devant elle. Hey. Déborah, tu es à ce niveau? Fais attention, hein. Oh. En tout cas, ma belle, c'est toi que je suis venue voir comme ça. Tu veux me voir? Merci. Merci. Ah.
tu es venue me voir pourquoi? Maman, comme tu me vois là, tu es mon devant derrière, qui a une voix plus qui peut m'aider. Aider? Je te dis, maman, si tu ne m'aides pas là où je suis, là, moi, c'est maman vous appeler que venez porter le corps d'Akamba. Waouh, vrai de Dieu! Pardon. Tu oublies très vite, hein? Je suis plus misérable. Hein? Oui. Tout ça n'est plus pour ton frère. Déborah, hein? Tu fais quoi comme ça? C'est quoi? Tu filmes quoi? Tu es en train de filmer quoi? Maman, sans les trucs comme ça, quand tu mets sur les réseaux sociaux, ça te donne beaucoup les abonnés. Pas des extraits pour laver. C'est tout ce que tu connais là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les réseaux sociaux. Va laver ça. Pardon, ma belle-sœur chérie, tu es la seule. Ma... Tu dis que quand, parfois quand il sortait avec mon frère comme ça, il regardait un peu les femmes et disait que hey, ressaisis-toi, pardon seulement. Tu es à ce niveau. J'ai un problème qui me tient à cœur. Pardon, ma belle-sœur, ma belle, pardon, ma belle-sœur, pardon. Prête-moi 50 000 seulement. Hey! 50 000! Ton frère n'est plus, non? Moi-même, je n'ai pas. Tu m'as insulté la fois passée ici. Ton frère est venu me chercher dans un cadre très misérable. C'est ce que tu as dit, non? Le diable. Oui, porte le diable là. Regarde comment tu es. Tu es belle, non? Tu as mis les lolos en valeur. Te voilà. Tu es bien belle. Tu es barbu partout. Mais va, là, va vendre même l'eau glacée, non? C'est un conseil. Je vais vendre. Mais vas-y, vends. Aide-moi, pardon. Aide quoi? Donc, si je meurs, tu vas venir me donner. Mais en ta tête, c'est tout. Ton frère et moi, là aussi, enterré. Chacun son tour, je le crois pas, non? Je n'ai pas 5 francs à te donner. Je dis bien, même 5 francs à te donner, je n'ai pas. Je me bats ici pour envoyer mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. C'est dans ça que je fais tout. Je pars. Non, reste. Je vais te donner ton sac. Lève-toi, tu pars, hein? Je suis mal aujourd'hui. Ouais, nous aussi. Tu n'es plus en mission. Tu m'as rappelé l'autre jour que tu étais en mission, non? En mission, comment? Le jour-là, quand je suis arrivée à la maison, j'ai regretté tout. Aujourd'hui, en même temps, je viens te demander l'argent. Je te demande aussi les excuses de ma mère, pardon. Non, 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 tu n'as pas besoin de te mettre. Je ne suis pas Dieu. Porte tes clés et tes clés là-dessus, je quitte de mon bureau, s'il te plaît. Vas-y, je ne suis pas Dieu. Il était une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour suivre dans la vie, chose promise, chose faite. Directement.